Dios es la vida. Le damos gracias a la Virgen María. Por su presencia aquí entre nosotros. Por su presencia aquí entre nosotros. Y nos vamos a chantar a nosotros este canto. Vamos a volver a cantar esta canción. Oh, une fois de plus. Una vez más. Oh, fois de plus. Tres veces más. Rechanter le chant. Que nous sommes tristes. Y es por esa razón que estamos aquí.
Andrea. Vous voyez la pierre. Vous voyez la pierre. Levantar la mano a aquellos que conocen el tarot. Mira,
essaient de connaître l'avenir. Y si tratamos de conocer ese futuro, par les cartes, por las cartas, par le tarot, por el tarot, par des médiums, por los médiums, qui vont communiquer avec les morts, que van a comunicarse con los muertos, et bien dans ces pratiques, en esas prácticas, Satan se met dans ces pratiques, Satanás se implica en esas prácticas. Et qu'est-ce que ça produit ces pratiques? Désangoisse, angustia, et dépression, depresión, des idées de mort, ideas de muerte, et tristesse, tristeza, beaucoup de peur, mucho miedo, des découragements, desánimo. Quels sont ceux qui parmi vous, quienes entre vosotros, portent des grandes tristesses, cargan con mucha tristeza, parce que Jésus veut vous libérer de ces tristesses. Porque Jesús quiere liberaros de esa tristeza. Levez la main, levez la main. Dad la mano. Quels sont ceux qui parmi vous? ¿Quién entre vosotros? Baissez la main. Quels sont ceux qui vivent des dépressions? ¿Quiénes entre vosotros viven depresión? Levez la main. Levantad la mano. Levez la main. Jésus veut vous délivrer de la dépression. Quiere liberaros de vuestra depresión. Quand je suis avec Jésus, cuando estoy con Jesús, quand je fixe mon regard sur Jésus, cuando pongo mis ojos solo en Jesús, il n'y a pas de dépression. No hay depresión. La dépression peut venir du psychologique. La depresión puede venir por razones psicológicas, mais vient aussi des pratiques occultes. Et Jésus et Marie, en cette fête de son cœur immaculé, en ce mois qui nous ouvre sur le mois de Marie, peut faire descendre ses rayons sur chacun de nous, sobre cada uno de nosotros. Cependant, pero, elle ne peut rien, no puede hacer nada, si je ne choisis pas de renoncer aux pratiques occultes. Yo no escojo la de renunciar a esas prácticas ocultas. Est-ce que vous connaissez les fleurs de Bach? ¿Sabéis lo que es las flores de Bach? Levez la main ceux qui connaissent les fleurs de Bach. Levantar la mano los que no conocen. Levez la main. Les fleurs de Bach sont aussi une pratique occulte. Las flores de Bach sont también una práctica oculta. Ne vous surprenez pas des angoisses. No os quedéis sorprendidos de las tristezas. Las tristezas. De la dépression. La depresión. Est-ce qu'il y en a qui regardent à la télévision? Algunos entre vosotros miran la televisión. Des médiums. A los médiums. Ceux qui utilisent les cartes. A las cartomancias. Ceux qui communiquent avec les morts ou les esprits. Con los que comunican con los muertos o con los espíritus. Levez la main ceux qui regardent cela à la télévision. Levantar la mano aquellos que ven estos programas en la televisión. N'ayez pas peur, levez la main. Catéchisme de l'Église catholique dit ceci. El catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente. On ne peut d'aucune façon, no podemos de forma alguna, participer à de telles séances, participar a estas séances, même comme spectateur, aunque estemos solo como espectadores. Jésus avait dit la gloria. Ceci. Que Jesús le dijo lo siguiente. La porte d'entrée des démons, ce sont nos yeux. La puerta de entrada para los demonios son nuestros ojos. Si tu regardes même comme spectateur, aunque seas solo como un simple espectador, tes choses
tu risques d'être atteint. Corres el riesgo de ser atingido. Parce que Jésus lui disait que les démons entrent par nos yeux. Porque Jesús dijo que los demonios entran por los ojos. Alors la Vierge Marie. Así que la Virgen María. Levons la main, levons nos mains vers la Vierge. Vamos a levantar nuestra mano hacia la Virgen. Pour aller chercher sa lumière. Para ir en busca de su luz. La lumière qui jaillit de son cœur immaculé. La luz que sale de su corazón inmaculado. Qui veut enlever les ténèbres de nos cœurs. Que quiere expulsar las tinieblas de nuestro corazón. Pour que l'amour de Jésus descende dans mon cœur. Para que el amor de Jesús pueda abrir nuestro corazón. Baissez vos mains. Bajar las manos. Il est dit dans la parole de Dieu. La palabra de Dios dice. La vérité vous rend libre. La verdad os hará libres. Je vais maintenant vous demander. Ahora os voy a preguntar. Un acte de foi. Un acto de fe. Un acte pour vous libérer définitivement. Un acto para liberaros definitivamente. Même des dépressions. También de las de la tristesse, también de la tristeza, des idées de mort, de las ideas de muerte, des obsessions diaboliques, las obsesiones diabólicas. Qu'est-ce qu'une obsession diabolique? ¿Qué es una obsesión diabólica? C'est quand tu as des idées dans la tête, es cuando tienes ideas en la cabeza, que tu n'es plus capable de te libérer, de las cuales no eres capaz de liberarte. Satan est venu dans ses obsessions. Satan est venu dans les obsessions. Satanás entra dentro de las obsesiones. Ce sont des idées de mort. Son ideas de muerte. Des pensées impures. Pensamientos impuros. Des pensées de pornographie. Pensamientos pornográficos. Parce qu'il y a des esprits impurs qui sont entrés par nos yeux.